Coucou les amis, on se retrouve encore une fois sur le domaine de Saint-Gervais-Mont-Blanc. On est toujours en train de monter en direction du Mont d'Arbois. Alors pour ceux qui connaissent le domaine de Saint-Gervais, là on est sur la piste bleue du Mont Rosset. La finance. La finance? Bon bah la finance, voilà. Et l'arrivée du télésiège du Mont Rosset est là à gauche en haut du chemin. Et oh, je vais me planter là. Et la piste qui descend à droite derrière les sapins, c'est la piste de la Princesse qui redescend entre Combloux et Megève, sur le domaine de Megève. Voilà les amis. Et là, on monte avec quelques difficultés tout de même, parce qu'il y a une pelleteuse qui est descendue par là. Et elle a un peu massacré le chemin. Du coup, c'est vraiment pas évident de rouler là-dedans pour monter. Là, c'est plat, ça va, mais tout à l'heure, c'était très compliqué. Je vais passer à gauche, vieux. Pour que tu sois à côté de moi. Si je me plante pas. Je roule tout doucement pour t'attendre. C'est bon, t'es là? En gros, faut que t'avances ta roue arrière, c'est à hauteur de ma roue avant. Comme ça, ça permet de te voir. Sinon, on ne voit pas. Donc là, je peux vous dire que ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, oulala, avec la douleur, je me suis dit, ça va être très, très, très compliqué aujourd'hui. Donc, j'ai mis du K-tape, pour ceux qui connaissent. C'est un espèce de scotch élastique qui sert à tenir mes articulations pour pas qu'elles se déboîtent de trop, pour que je puisse pédaler. Donc, j'en ai sur les hanches, les genoux, les chevilles, les épaules. Et... je me suis scotché de partout pour pouvoir tenir et puis et on est parti. J'aurais été tout seul aujourd'hui, je serais pas parti faire du vélo. Mais comme c'était prévu avec Mathias et que j'adore rouler avec Mathias, et ben j'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti. Par contre, je sais que les prochains jours, je vais le payer vraiment très violemment au niveau douleur. Donc tant pis, mais là je peux vous dire que je passe un super bon moment avec Mathias parce que j'adore rouler avec lui. Et là, on se retrouve en montagne, sur des chemins vraiment sympas. Et là, il y a un skieur en face. Et avec un temps magnifique. C'est vraiment le pied. Bonjour. Ouais, ça va? On a les pneus cloutés. Ouais. Merci. Le mien, si. Je suis malade. Je suis handicapé moteur, donc c'est comme lui finalement. Je me bouge. Ouais, amusez-vous bien. Vous voyez le rapport qu'on a entre les gens du pays, entre les skieurs, les vélos, les marcheurs et tout ça. Ouais, voilà. Ouais, il y a des chances, tu devrais aller dans la trace à droite. Tu t'aurais pas dû y aller, c'était trop profond. Moi, je m'arrêterai quand je me planterai. Hein. Là, tu devrais rouler là. Oui, ce rapport qu'on a entre humains en montagne, ce rapport, on le retrouve pas du tout en ville. Et c'est aussi pour ça que j'adore la montagne, parce qu'on a des super rapports et c'est vraiment très très agréable ce genre de choses. C'est très valorisant si vous voulez. Alors là on voit l'arrivée du télésiège du Mont Rosset derrière. Le télésiège que je prends le plus l'hiver quand je skie. Coucou copain. Coucou. C'est une mauvaise idée à droite. Ça s'est vraiment pas tassé. Bah roule derrière moi alors. Bah je pouvais pas savoir. Bah non, mais regarde à gauche c'est pareil et je pouvais pas savoir. T'as qu'à pas m'écouter aussi hein. Regarde, je vais te montrer qu'on peut rouler à droite. T'as vu, on peut. C'est que t'es mauvais, c'est pour ça. Je crois que je me suis planté. Ouais. Là t'as vu la bouille que c'est. Comme c'est dur à pédaler. Allez. Ah.
crois que je vais passer à pied là. Ça y est, là, c'est dur. J'allais dire une connerie, mais bon, vu que c'est filmé, je peux pas le dire. C'est dur comme. Exactement. Bon, t'es prête? Là, au soleil, on va vraiment chier. Ouais, presque, ouais. On arrive dans les bois et après, on est au soleil tout le long. Comme vous pouvez le voir, les amis, il y a pas mal de neige. Donc voilà. Oh putain! Planté! Là. Ouais! C'est bon, je suis reparti! Là, j'ai pour rouler, j'ai le casque Fox Pro Fame, qui est un casque intégral d'enduro. Et. Bientôt, je vais avoir un casque à 1 mètre parachute. Donc pareil, avec type casque intégral. Et il sera un petit peu plus léger que le Fox Pro Fame. Donc j'ai déjà fait les essais. Il est super confortable. Donc je suis impatient de l'avoir. Donc ouais, un casque mètre parachute. Je suis vraiment impatient. On verra bien ce que ça donne. Oh putain. Wow. Au niveau du confort, je pense que je serai bien dedans. En tout cas, les essais étaient très concluants, donc ça devrait le faire. Tu trouves toujours le moyen de faire le con. Ça aurait été marrant que tu te plantes. Moi, me planter. Jamais. Bon bah les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je pense que maintenant je filmerai la descente la prochaine fois. À bientôt les amis, bye bye.